Salut les loulous, bonjour à tous. Eh bien voilà, il est pratiquement 2 h du matin à Paris. Donc hier, je vous disais qu'il n'y avait plus de métro, donc j'ai dû prendre un taxi. Donc j'ai pris un taxi, et puis bon, ben, écoutez, Montparnasse, client de cours, une quinzaine d'euros, ça va, c'est pas la mort. Rater le métro, enfin c'est pas que j'ai raté le métro, c'est que le train est arrivé. À 1 h moins le quart du matin, et à 1 h du matin, il n'y avait plus de métro, le temps d'arriver au métro, plus rien. Donc voilà, il n'y a pas le feu, à Paris, il y a toujours des taxis, je suis maintenant dans l'hôtel, je vais me reposer. Tout ça pour dire que ben, la fatigue fait que parfois on a l'impression, on a plutôt tendance à tout démesurer. Dans le train, j'ai démesuré le fait que la passagère à côté de moi était extrêmement énervante, alors que la pauvre, elle n'était pas plus énervante que d'habitude, mais c'est juste que quand on est fatigué, nos sens sont plus exacerbés, et puis on n'a plus l'impression, plutôt l'impression que on ne supporte plus grand-chose. Il y a la faim, la fatigue, le boulot, j'avais travaillé dans le train également, la concentration, voilà, tout ça fait que on n'arrive plus à réellement voir les choses telles qu'elles devraient être, et on a plutôt tendance à exagérer, à extrapoler, et puis bon, c'est plus du tout la réalité, mais c'est une réalité qui devient la nôtre à partir du moment où en effet on devient très irritable. Alors je vais pas dire que j'étais irritable, c'est pas ça, mais voilà, je supporte moins, et bon, c'est la fatigue. 2 h du mat, j'ai le droit quand même, hein. Donc demain j'ai une grosse grosse journée, je vais voir des collègues de travail, des collègues conférenciers, on va passer un excellent moment ensemble, en tout cas, moi j'y vais pour, et je pense que pour les connaître, on va passer un excellent moment, donc un moment où on va se professionnaliser, partager l'expérience, partager des informations et être à chaque fois, chaque jour, un peu meilleur dans ce qu'on fait. Moi, en ce qui me concerne, je vais me coucher. Alors, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais moi, je vous dis bonne nuit en tout cas et je vous dis à demain.